Bonsoir ou rebonsoir, l'actualité va très vite ce soir et en France et à l'étranger. Tout de suite, Jean-Philippe Tanguy. Bonsoir. Bonsoir à vous. Sur la France en quête d'un gouvernement avec ce coup de théâtre ce soir, la porte claquée au nouveau Front populaire. On parlera ensuite du défi plus spectaculaire encore de l'Ukraine aidée par les Occidentaux qui progressent à l'intérieur même de la Russie. Ils plantent toujours plus loin les drapeaux en tenant volontairement des déclarations provocantes dans les images pour montrer que Vladimir Poutine est selon eux dépassé. Jusqu'où cela ira-t-il ? Deux invités, le général Yakovlev, puis Louis Sarkozy, historien, auteur d'un livre marquant sur Napoléon qui défend un point de vue très offensif face à la Russie. Mais d'abord donc cet événement qui bouleverse le cours de la soirée. Cette lettre, ce communiqué de l'Élysée dont on va lire certains extraits qui claquent la porte littéralement au nouveau Front populaire et en particulier à LFI. Dans quelques instants aussi, un de ses représentants s'exprimera en la personne de M. Coquerel. Le président de la République a constaté qu'un gouvernement, sur la base du seul programme et des seuls partis proposés par le nouveau Front populaire, serait immédiatement censuré. La stabilité institutionnelle de notre pays impose donc de ne pas retenir cette option. Bastien Auger, vous êtes à l'Élysée, la forme surprend. Il faut le dire, on va développer ça dans un instant. Le président de la République entre même dans le détail de ceux qui pourraient faire partie ou non de la discussion à venir.